Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. بسم الله. والصلاة. والسلام. على رسول الله. اللهم. افتح لي. أبواب رحمتك. أبواب رحمتك. أعوذ بالله العظيم. وبوجهه الكريم. وسلطانه القديم. من الشيطان الرجيم. Alors aujourd'hui, les enfants, on va parler d'une personne qui n'arrête pas et qui ne cesse de se sacrifier pour toi. Une personne qui fait le maximum, qui fait tout ce qui est dans son possible pour que toi tu sois heureux. Une personne qui des fois mange peu pour que toi tu manges beaucoup. Une personne qui des fois elle a pleuré juste pour que toi tu as pu rire. Une personne qui des fois est restée réveillée pendant que toi tu dors ou pour que toi tu dors. Une personne qui des fois a eu beaucoup de difficultés pour que toi tu sois tranquille. Cette personne, lorsque tu es heureux, elle est heureuse. Et lorsque tu es triste, elle est triste. Lorsque tu as des soucis, alors elle aussi elle a des soucis. La seule chose que cette personne veut, c'est que tu vives heureux, que tu sois content, que tu sois satisfait, que les autres t'aiment et te respectent. Cette personne est une personne qui est faible et qui n'attend rien en retour. Elle n'attend pas que tu lui dises merci ou elle n'attend pas que tu lui fasses des cadeaux. C'est une personne qui t'aime plus que ses biens à elle. Elle t'aime plus que sa vie à elle. Cette personne, elle t'aime plus que sa propre personne à elle. C'est qui cette personne? On parle de qui depuis tout à l'heure? Qui va t'aimer plus qu'elle s'aime elle-même? Exactement. El-Oum, la maman. Votre maman. Vous n'avez pas reconnu? Vous n'avez pas reconnu votre maman dans tout ce que l'on a dit? Ma maman, après, elle m'a acheté un cadeau. Ta maman n'est pas contente quand toi tu es content? Et elle n'est pas triste quand toi tu es triste? Tu sais pas? Eh bien si. Quand tu es triste ou quand tu es malade, eh bien ta maman aussi est triste. Et elle aussi, elle a des soucis quand tu as des soucis. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on va voir l'importance de bien se comporter avec sa maman. Parce qu'il y a des petits garçons et il y a des petites filles qui ne se comportent pas bien avec leur maman, qui n'ont pas un bon comportement avec leur maman. Et ça, c'est une chose qu'Allah Azza wa Jal n'accepte pas. C'est une chose qu'Allah Azza wa Jal n'accepte pas. Alors que si on réfléchit,
si on médite sur la situation ou sur notre situation lorsque l'on était enfant. Souviens-toi quand tu étais tout petit. Tu étais un tout petit bébé comme ça. Un tout petit fœtus, oui. Tu étais dans le ventre de ta maman. Ta maman, lorsque tu étais dans son ventre, elle était fatiguée. Elle avait mal, mais elle t'a porté dans son ventre. Ensuite, elle t'a gardé, elle t'a pas gardé un jour ou une après-midi. Elle t'a gardé combien de temps? 9 mois. Pendant 9 mois, toi tu étais dans son ventre. Tu faisais des pirouettes et je sais pas qu'est-ce que tu faisais dans son ventre, mais elle t'a porté. Imagine juste un petit stylo comme ça. Je te dis, porte-le toute la journée. Il arrive un moment, tu vas me dire, allez, j'en ai marre, je veux le rendre de ce stylo. Elle t'a porté pendant 9 mois. 9 mois, donc imagine, là, on est quel mois, là? On est janvier. Imagine, elle t'a porté janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. C'est comme si ça commence maintenant et ça s'arrête à la rentrée prochaine, Inch'Allah, l'année prochaine. Quand tu seras en CE2 ou en CM1 ou en CM2 ou en CP ou en CM2 ou en CE1, etc. C'est beaucoup ou pas? Ensuite, est-ce que ça s'arrête là? Une fois qu'elle t'a porté pendant 9 mois, eh ben, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a accouché. C'est-à-dire que tu es sorti de son ventre et ça a été pénible pour elle. Elle a souffert, elle a eu mal au ventre, elle a eu des difficultés à te sortir de son ventre. En plus, bien sûr, ça l'a rendu faible. Mais toi, quand tu avais faim, tu mangeais. Quand tu avais soif, tu buvais. Pendant que elle avait mal. Tu lui as fait subir plus qu'elle ne pouvait supporter. Tant son corps était faible et son état était fragile. Et comme on a dit, l'accouchement de la femme, ça lui fait beaucoup de... elle a des soucis, elle a des angoisses, elle a mal au ventre. Mais cela ne l'a pas arrêtée. Même si elle avait mal au ventre, eh ben elle t'a porté. Même si elle était angoissée ou elle avait peur, eh ben elle t'a porté. Ensuite, tu es né, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle t'a serré contre elle et elle t'a donné à manger. Elle a oublié toutes ses difficultés, toutes ses douleurs, et elle était heureuse d'avoir ce petit garçon ou cette petite fille qui était dans ses bras. Est-ce que ça s'est arrêté là? Non. Dès le moment où elle t'a vu, eh ben elle a eu tous ses espoirs, elle a mis tous ses espoirs en toi. Tout, elle a vu en toi tous les plaisirs et la beauté de la vie. Ensuite, elle a été à ton service jour et nuit. Quand tu avais faim, elle te nourrissait. Quand tu avais soif, elle te nourrissait. Quand tu pleurais, elle s'occupait de toi. Elle a sacrifié sa santé pour te nourrir. Elle s'est amaigrie pour que toi tu grandisses. Elle s'est affaiblie pour que toi tu deviennes fort. C'était quoi ta nourriture? Eh bien, c'était son lait. C'était quoi ton moyen de transport, ta voiture? Eh bien, c'était ses bras. Quand tu devais aller d'un endroit à l'autre, tu ne marchais pas encore. Eh bien, c'est elle qui te portait. C'est elle qui te transportait. Elle t'a donné beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Elle a pris soin de toi. Des fois, elle est même restée affamée. Elle avait faim pour que toi, tu mangeais. Des fois, elle est restée réveillée. Elle était fatiguée. Elle avait envie de dormir. Mais comme toi, tu étais réveillée. Elle est restée réveillée pour que toi, tu t'endormes. Des fois, tu pleurais, tu criais. Mais elle a été gentille.
elle a été tendre avec toi. Ensuite, tu as grandi. Et dès que ta maman n'était pas là, tu l'as cherchée. Elle est où? Elle est où? Des fois, la maman, simplement, elle est dans la salle de bain, elle peut même pas prendre une douche tranquillement, que les enfants, ils sont à la porte. Oumi, oumi, maman, maman. Regarde. Des fois, même la maman, elle est peut-être aux toilettes, ou elle est en train de faire à manger. Et oumi, oumi. Et tout, regarde. En fait, la maman, elle a jamais un endroit, elle a jamais un moment où elle est tranquille. Pourquoi? Pour vous. Pour s'occuper de ses enfants. À chaque fois que tu es malade, eh ben tu le dis à ta maman. Que tu as besoin de quelqu'un, eh ben tu demandes l'aide à ta maman. Quand tu es petit, tu as l'impression que ta maman, elle détient toutes les choses. Tu n'imagines pas le mal qu'elle peut vivre et les soucis et la douleur qu'elle peut avoir en s'occupant de toi. Et comme on a dit tout à l'heure, elle se préfère ou elle te préfère à elle-même. C'est-à-dire, elle préfère toi que elle. Elle préfère te donner de la nourriture à toi que de lui donner à elle. Et pendant 2 ans, c'est-à-dire pendant tes 2 premières années, eh ben, tu as mangé, tu as bu de son lait. Tu as bu de son lait. Ensuite, tu as commencé à marcher. Et bien, dès que tu marchais, toi, tu allais à gauche, à droite, et bien, elle te surveillait. Elle avait peur que tu tombais. Toujours, elle te suivait du regard, de peur qu'un mal ne te touche. Ensuite, tu as grandi. Et là, ses espoirs en toi, elle a eu beaucoup d'espoir en toi. Elle a considéré que le bonheur le plus cher, c'était toi, plus que toutes les richesses de cette vie. C'est pour cela qu'on doit méditer, qu'on doit penser à sa maman. Et on doit se dire à quel point sa maman, elle veut notre bien. Et nous, est-ce qu'on veut le bien de notre maman? Oui. Est-ce que lorsque l'on est pas sage à la maison, est-ce qu'on veut son bien? Oui. Est-ce que lorsque l'on répond à sa maman, elle nous demande de faire quelque chose et on ne le fait pas, est-ce que c'est normal? Lorsque elle nous demande de préparer nos affaires pour l'école et on ne le fait pas, est-ce que c'est normal? Lorsqu'elle nous demande de ranger notre chambre et on ne la fait et on ne la range pas, est-ce que c'est normal? Lorsqu'elle nous demande de débarrasser la table et on ne le fait pas, est-ce que c'est normal? Est-ce que lorsqu'elle nous demande de dormir parce qu'elle est fatiguée et parce qu'elle a besoin de dormir, mais nous on continue à jouer, on continue à rire, on continue à allumer la lumière et de désobéir à notre mère. Est-ce que c'est normal? Lorsque l'on travaille pas bien à l'école, il y a des mots dans notre carnet de liaison et elle doit le signer. Est-ce que tu penses que ça lui fait du bien ou ça lui fait du mal? Ça lui fait du mal. Alors on se doit d'avoir le meilleur comportement avec notre maman. On se doit d'avoir le meilleur comportement avec notre maman. On se doit d'avoir le meilleur comportement avec notre maman. C'est pareil avec notre papa. Bien sûr. C'est aussi avec notre papa, mais ta maman, c'est celle avec laquelle tu dois avoir le plus d'attention. Tu dois rester encore plus avec ta maman parce que le papa, est-ce qu'il t'a porté dans son ventre? Non. Est-ce qu'il t'a accouché? Non. Est-ce qu'il t'a donné de son lait? Non. Non. Le papa est important, bien sûr, mais pas plus que la maman. Pas plus que la maman. Donc, est-ce que vous allez être gentil avec votre maman? Oui. D'accord? Et parmi les choses les plus importantes, c'est de faire dua pour sa maman. Donc vous levez votre main et vous levez vos mains et vous demandez à Allah Azza wa Jal de mettre votre maman au paradis. On dit Allahumma inna nas'aluk al-firdaus al-a'la. Allahumma irfir اغفر لنا
ولوالدينا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.